Yo les gens, on se retrouve aujourd'hui sur Call of Duty World War 2 pour une vidéo spéciale largage de ravitaillement. On va ouvrir 58 largages, j'en ai 29 normaux et 29 rares. Donc voilà, j'ai gardé tous mes largages de ravitaillement tout le long d'un prestige. Donc là je suis prestige 2 niveau 55, d'ailleurs je vous ferai bientôt la quête du prestige, l'épisode 3 déjà. Oui, ça avance tout doucement, mais on avance. Donc là on va se faire une ouverture de ravitaillement. J'ai tout gardé pendant tout un prestige, donc je me dis, voilà, là c'est la première fois que je le fais, donc est-ce que c'est plus rentable de tout garder et de tout ouvrir d'un coup, et puis voilà, c'est un petit peu Noël, tu vois, ou alors je les ouvre à chaque fois dès que j'en ai, tu vois, mais je sais pas, je me dis que c'est peut-être mieux de faire comme ça, parce que vraiment là, tout le long du prestige, j'étais pas en train de me dire, ah, faut que je les ouvre, là je suis un peu plus content, ouais, c'est un peu Noël, tu vois, je me dis, bon allez, vas-y, tous les ouvrir maintenant, donc je pense que je vais en ouvrir 10 normaux, et après 10 rares. Donc voilà, c'est partir. Ça, c'est à cause du jeu, ça. Hein. C'est le français allemand là. C'est. Allez les gars, c'est part. On commence par les largages de ravitaillement normaux. Donc là, c'est le premier. On a déjà un truc rare, légendaire plutôt. Ok. Le deuxième. Oui, mesdames et messieurs, du rare. Ah oui, putain. Alors ça, par contre, je crois que je vais en bouffer du truc XP. C'est dommage. Mais bref, allez. Bon, encore du rare. En plus, ouais, j'ai du doublon, ma gueule. Non, là, j'ai rien du tout. Là, j'ai que dalle. Putain, les poignées, franchement... on s'en bat un petit peu les couilles, hein. Ouh, épique. Epic. Tuyau de poing. Sur quoi? Sur un putain de lanceur. On va pas être content pour ça, hein. Non, on va pas être content. Rare, floral, ok, je les ai. Ah bah c'est bien de me donner plein de doublons, ça fait plaisir, hein. Oh non, eh mais 3 doublons dans le même, t'es sérieux? Mais non. Bon, vous savez quoi, je vais ouvrir tous les simples d'un coup. Parce que voilà, ils font mal au cœur, hein, ils font très très mal au cœur. Mouais. Bon, en fait, ça change pas que si tu les ouvres tout le temps, tu sais, après une partie, quoi, tu vois, ça change en rien du tout, quoi. Par contre, j'en ai un, hein, des doublons, putain. Ça rigole pas, hein. Ah. Armée robotique, ok. Putain, ouais, non, c'est pas top, hein. Franchement, c'est pas top, hein. Bon, on a de l'XP, ça se prend, je dis pas, ça se prend, hein, mais... Voilà, quoi. Hein? Une petite arme épique, une petite arme légendaire, une petite arme héroïque. Non, ce serait mieux d'avoir des armes héroïques. Moi, ce que je veux vraiment, c'est... Ah. Ça, c'est quoi? Ça, c'est sur la... C'est la Grease Gun, ça, non? La Grease Gun, c'est mon arme préférée. Et ouais, franchement, là, les gars, je suis en train de tester un petit peu des classes. Et clairement, il y a des classes à faire, c'est... Il y a des équipements avec lesquels je ne jouais jamais sur n'importe quel Call of. Je jouais jamais avec ces équipements-là. Je me dis, ouais, c'est pour les noobs. Ouais, c'est pour les noobs, ouais. C'est ça, ouais. Les armes sont beaucoup plus efficaces, plus stables, plus ce que tu veux. Je vous montrerai ça, si vous voulez, dans la prochaine vidéo de la quête du prestige. Mais c'est incroyable. Alors, en ce moment, je suis en train de... Je mets des 50 kills, des trucs comme ça. J'ai mis 65 kills, là, il n'y a pas longtemps. C'est n'importe quoi. Franchement, c'est n'importe quoi. Oh, héroïque! C'est quoi? C'est pour le truc de sniper. Sniper. Bon, bah, ça se prend. Je sais pas si elle a l'air si classe que ça. Je vais aller voir quand même celle-là après. Hein, juste pour voir un petit peu ce qu'elle... Encore? Ah, épique. Jus de chaussette. Super. Je croyais déjà la voir, ça, non? C'est un autre nom. Je sais, c'est sur quoi, ça? Je sais pas. C'est pas la barre. Non, c'est pas la barre. C'est la M1 Garand, peut-être? Ah, c'est chiant, tu reconnais pas bien les armes en fait quand c'est comme ça. C'est un petit peu con. Bon, on a enchaîné un héroïque et un épique. Ça peut continuer. Oh, 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 ça fait plaisir. Ah bah vous voyez, je viens juste d'avoir le truc là, mais là j'ai l'âme de direct. Ah bah c'est nickel. Bon bah l'âme, je pense que c'est la Grease Gun. J'irai voir ça tout de suite après. Ok, feuille d'érable, tout ça. Ça va, on enchaîne un petit peu là, ça fait plaisir. Non, je pense que je vais toujours les garder en fait, mes ravitaillements. C'est mieux que de les ouvrir, voilà. Là, c'est un petit peu Noël, tu vois, t'as l'impression de... Je sais pas, d'être gâté, quoi, tu vois. Par contre, les poignées, faut vraiment arrêter, parce que... On s'en fout des poignées, quoi. Oh, clairement.
Fallait bien mettre un truc pour te faire rager, tu vois. Bon, bah écoutez les gars, on a fini les largages de ravitaillement simples. J'ai juste regardé vite fait ce que ça donne l'arme en question, là. C'est dans la division. Ah non, c'est dans les fusils, c'est la carabine. Jus de chaussette, ok. Ouais, bon, en fait, elle est juste en... Elle est un peu pourrie, quoi. Elle est un peu rouillée. C'est pas top, je m'attendais à mieux. Ah non, et l'âme, c'est pour ça, en fait. Oh, mon dieu. Waouh, ben, c'est quoi ce viseur, quoi? Tu sais, t'as un viseur comme ça. Attention, les gars, je vais tirer. Sérieux, c'est quoi, ça? Ouh, putain, elle est propre, comme ça. Là, c'est... Elle fait mal aux yeux, attention, hein. Ah ouais, d'accord, ok. Bon. Alors je m'attendais pas du tout à avoir épique ça, enfin et héroïque en plus. Et en plus, attends, je dis pas de conneries, c'est pas la pire des... Ouais, je crois que c'est ça. Non, la pire c'est celle-là, je crois. Avec la cadence 2-3, ouais, c'est la... là, ça c'est la pire des... C'est le pire des fusils mitrailleurs, quoi. Bon, bah écoute, je testerai, hein, on sait jamais. C'est parti. Donc les rares, normalement, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des trucs rares, forcément. Donc j'espère avoir un petit peu de chance, on en a 29. Let's go, baby. Allez, donne-moi du lourd, mon ami. Ouh. Épique, ok. Bon, c'est, ça se prend quand même, les uniformes, ça se prend. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais regarder. Faut pas que j'oublie l'uniforme de montagne. Oh là, j'ai de la merde. Oh, j'ai de la merde, je suis dégoûté. Au moins un truc rare à chaque fois. Ouais, mais non, non, mais ouais, mais non. Au moins un truc épique à chaque fois, quoi. J'ai pas eu d'erreur pour faire de la merde, hein. Non, mais sérieux. C'est limite pire. Non. Allez. Ah, voilà. Epic. Bidon, c'est sur quoi, ça? Ça, c'est sur la FG-42. La FG-42, elle est monstrueuse. Monstrueuse, cette arme. Enfin, je crois, hein, ça ressemble à la FG-42. Epic. Dynamo, ça, c'est quoi? Le fusil à pompe, sûrement. Je pense. Bon, ça va, déjà, on en a eu... Oh. Héroïque. Oh, piano du diable, c'est quoi ça? Oh putain, ça a l'air de claquer. Elle a l'air de claquer, celle-là, le piano du diable 2. Elle a l'air de claquer, sa mère. Ah, franchement, je dirais peut-être que c'est un fusil à pompe, mais je suis pas sûr du tout. Ou un fusil mitrailleur, enfin je sais pas, j'arrive pas à reconnaître. Allez mon ami, s'il te plaît, il en reste 20. J'en veux... Je veux 10 héroïques. Je rigole pas, 10 héroïques. Attention. Héroïque. Une, ok. Ligne de front 2, arme héroïque. Ça c'est quoi? Ça c'est un snipe, ça, non? Un doute ma bite. Un doute ma bite, mesdames et messieurs. Ensuite, oh. Épique sur le drapeau. Ok, ça c'est un fusil à pompe aussi, me semble. Je joue jamais au fusil à pompe, enfin très peu. Allez, encore une héroïque. Héroïque, 3, 2, 1, héroïque, mesdames et messieurs. Oui. Héroïque. Ah, mais non, pas sur ça, c'est gentil, mais non. C'est gentil, mais pas sur les lance-roquettes, on s'en fout. Épique. Toi, et ça, c'est pareil pour les émotes, en gros, c'est en fin de partie, vous pouvez faire genre, ouais, salut, ou bien tiens. Et en gros, vous faites un mouvement en fin de partie. Clairement, il y en a plein, c'est que des noms différents, mais en fait, ils font le même geste. Genre, t'as le truc, c'est salut, donc il fait le salut, tu vois, quand il se regarde à vous. Et genre, salut comme ça, bah, il fait salut comme ça aussi, tu vois. Donc, je crois qu'ils se foutent un peu de notre gueule quand même chez Activision. Ils se sont trompés ou j'en sais rien, tu vois. Epic. Ouais, allez, il est pas mal le petit fusil, là. Il est pas mal. Je prends. Mais on veut de l'héroïque, on a dit, mesdames et messieurs. On a encore de l'épique. Epic. Loup du Canada. Ok, bah, en tout cas, pour Montagne, j'ai eu deux trucs. C'est bien, ça se prend. Mais on veut quand même de l'héroïque, hein. On veut de l'héroïque de malade, tu vois, de l'héroïque qui fait mal au cul, quoi, tu vois, brrr. Ah, pas comme ça encore. Allez, s'il te plaît, mon ami. J'ai pas de régendise, hein. C'est quoi ça, numéro 40? Ah, je crois que j'ai eu un bug au niveau des yeux, là, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe. Allez, s'il te plaît, j'ai tout gardé exprès. Bon, je vais pas me plaindre, hein, après, hein. J'en ai eu quand même pas mal des héroïques et tout. Griffe, je l'ai déjà. Oh, 378 en doublon. C'est pas mal. Ça se prend. D'ailleurs, bah là, vous voyez, du coup, j'étais à quoi, 13 ou 14 000. Je suis monté à 15 692 crédits d'armurerie. Je les garde au cas où, je sais pas. Je les garde. Parce qu'en fait, tu peux acheter des contrats et en gros, tu remplis tes contrats. Soit tu gagnes des largages de ravitaillement ou de l'XP. Mais ça m'intéresse pas. Mais je vais les garder, je sais pas. Vous savez, si jamais ils sortent des nouvelles armes. Parce que ce qui paraît, il y a peut-être la Risaka qui va sortir. Après, dans ma tête, je me dis, il va peut-être y avoir, tu sais, le Magnum.
des trucs comme ça. Enfin, tu vois, je pense qu'il va y avoir des nouvelles armes et peut-être qu'on va avoir besoin des crédits d'armurerie. Donc pour l'instant, je les garde, tu vois. Pour l'instant, je les garde. 15 000, c'est pas mal, donc je les garde, tu vois. Épique, épique. 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 Oh, il a l'air stylé, l'acrobate, là. C'est le fusil à pompe encore, ça, non, putain. Je crois que j'ai eu beaucoup de fusils à pompe, hein. Épique. Encore, putain, je vais en avoir combien des trucs montagne. Bon, allez, j'en ouvre encore un et après, je change d'endroit si j'ai pas d'héroïque. Change d'endroit. Je vais aller voir le général, je vais aller gueuler parce que là, c'est bon quoi. Oh, général là! Eh! Y'a se fout pas un petit peu de ma gueule! J'ouvre des largages de ravitaillement rare et j'ai que quelques héroïques! Alors là, tu vas te le prendre dans la gueule, mon coco! Attention! Ok. Qu'est-ce qu'il y a derrière le général? Que de la merde, putain! Général, derrière vous! Y'a tous les chanteurs et y'a pas de héroïque! Général? T'as général, t'as un enfoiré si j'ai rien. Oh, vas-y, j'ai eu des poignées, quoi, putain. Bon, bah écoutez, les gars, on va juste regarder vite fait ce qu'on a eu. Hein? Ça change rien en fait. Donc, ouais, là, il est en rouge. Là, il est vert. Là, il est un peu plus vert. Ouais, bah écoute, je vais le mettre comme ça, tu vois. Je vais le mettre comme ça, mais vraiment, ça change rien, quoi. Donc, ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu des armes. On a eu des armes. Donc, qu'est-ce qu'on a eu? La type 100. Ah, sur la type 100, cool. La type 100, j'aime bien en plus. Enfin, j'aime bien, mais elle est un petit peu compliquée. D'ailleurs, faut que je la reteste avec d'autres équipements. Mais ouais, ça va. Juste, ça va. C'est juste bien. Ligne de front, celle-là, c'est héroïque. Hein. Oh, elle est jolie. Elle est jolie. Elle est jolie. En plus, je l'aime bien, la M1-40, mais c'est vrai que je joue pas beaucoup avec. La FG-42, c'est une de mes préférées. Oh putain, ouais, elle claque. Elle fait mal, mon colonel. Non, franchement, elle est pas mal. Elle est pas mal. Ensuite, le fusil mitrailleur. Ah, attends, c'est le fusil mitrailleur qu'on a eu. Piano du diable. Oh, attends, elle est classe. Hein. Franchement, elle est classe. Elle change beaucoup, quoi, mais. Ah, elle est classe. J'avoue, elle est classe, mon ami. Elle est plutôt pas mal, tu vois. Sur le drapeau. Donc, à la base, il est comment? Comme ça. Ok, moi. Moi. Il est tout petit. Ça change rien, mais il est tout petit. Ça fait bizarre. Quoi. Et enfin le dernier acrobate. Oh non, les trucs sont tout petits quoi. Excellent. Si vous regroupez plusieurs cartes de visite, tout ça. Bonjour madame l'attendante. Bah, ce que tu peux faire pour moi, c'est me donner des trucs lourds. Donc là, en fait, vous voyez, il m'en manque plus qu'un. Admettons, là, c'est pourquoi pour le fusil à pompe. Admettons, j'achète le pilote américain et je débloque la version Enigma du fusil à pompe. Donc voilà, enfin, le fusil à pompe, je m'en fous un petit peu. Je sais pas s'il y a quelque chose de plus intéressant avec tout ce qu'on a eu. Est-ce qu'on s'est approché du but de quelque chose? Ah, bah ça, la type 100. Mais je l'ai pas. Ah, bah écoutez, les gars, c'est cool ça, putain. On a la type 100, nickel. Ah, je sais y faire, ouais. Donc les éliminations octroient un bonus d'XP, ouais, comme d'hab, et combat rapproché. Eh putain, franchement, en plus, elle est belle comme ça. Eh ben, c'est cool, j'avais pas vu 8 sur 8. J'en ai pas d'autres, là, peut-être. Est-ce que j'ai mal regardé? Eh ben, c'est cool, voilà. On en a fini un, tu vois, sans acheter rien du tout, en faisant des ouvertures de colis. Donc moi, je voulais ça, et je sais plus laquelle j'aurais bien aimé avoir. C'était le M1903. Voilà, il me manque pas grand chose. Hein. Bah, les deux là, à la limite, je peux les acheter, c'est pas cher. Ok, chargeur grande cap sur le flingue, je m'en rappelais plus. C'est pas cher, mais c'est ça en fait. Il faudrait que je retombe sur ça, le truc là. Et comme ça, à la fin, j'ai le snipe comme ça, ce qui est franchement, il claque et tout. Hein. Franchement, il claque. J'espère en tout cas, les gars, que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Call of Duty et sur d'autres jeux. Je sais, en ce moment, je suis que sur World War 2. Mais voilà, je suis en kiff dessus. Ça fait longtemps que j'ai pas retrouvé un putain de Call of. Et voilà quoi, je suis dessus, tant pis, c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine, allez ciao, peace!